Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre let's play de Age of Nowhere. Bon, écoutez, je la vois La casser. vache, elles sont de plus en plus grandes. Vous allez pouvoir l'entendre. Malheureusement, je suis un petit peu tombé malade. 13 décembre 1932. La voilà, la cité. Des monolithes colossaux jaillissent de son centre pour former une sorte de cercle extérieur. Elle correspond parfaitement à la description qu'en fait le texte que j'ai trouvé à la maison. Ce schéma concentrique est étrange, par contre. Il y a quelque chose en son centre. Quelque chose d'immense. Une cité? Qu'est-ce que ça signifie? Je me sens mieux. Ouais, on se reprend un petit peu de vie quand même. Bon, je vais éviter de trop parler parce que, comme je vous dis, j'ai la voix cassée. Je voulais courir, mais c'est pas la peine. Hop! On s'accroche et on se lance. Bon, il va falloir monter au niveau du modo 8, hein, je pense. Ah bah non, je redescends. Ah bah non. Oh, c'était juste. Et je m'attendais pas à ça pour aller tout en bas. Ça peut le faire, ça. Vite, vite. Ça va s'ouvrir un petit peu partout, j'ai l'impression. Il y a un autre truc plus bas, là. Angoisé. Ouais. Me lâche là? Écoutez. Ça passe. Oh, il a du bras. Pour faire ce genre de choses, il a du bras. Oh. Alors, remonte. Non, qu'est-ce qu'il fait? Mais non. Et pourquoi t'es remonté, en fait? Je vais sur le côté, chef. Oh, mais... Qu'est-ce que tu fous, là? Descends, voilà, lance-toi, vas-y. Il veut pas, il a pas envie. Pourquoi il saute Mais qu'est-ce que tu fous en fait? Pourquoi tu sautes sur le côté? T'es censé te relâcher, je comprends pas ce que tu fais. C'est encore cette histoire de regard, là? Je crois que ça le faisait pas quand on était en train de monter sur une brèche. On va se laisser tomber, hein. Pire, hein. Je sais pas ce qu'il fout, là, hein. Franchement. C'est quoi de jouabilité, mes enfants? Bon. Toi, tu vas exploser, là. On n'a pas besoin de toi. Par contre, toi là-bas, on aura besoin de toi et ça va être chiant. Vous êtes vraiment partout, les gars. Mais putain, mais c'est pas possible! Je peux pas encadrer la caméra en plus, donc. Il fait quoi là? Ils ont joué à leur jeu?
Quoi, c'est quoi ça? Oh. Ça c'est cool. Ça c'est très cool. Alors, je vais essayer de descendre. Hein. Tu descends, on est d'accord, chef? Si je descends par là, ça va pas le faire. Faut que je descende sur le côté. Il s'envole, hein. À chaque fois, je lui demande pas ça, moi. Allez, on descend. Wow. J'aurais jamais cru être aussi heureux de voir une corde. Oui. C'est sûr. Ah, plus ou moins, parce qu'il y a des cochonneries là qui sont un peu partout aussi. Il y a de la pierre. Mais pas que, il y a de quoi les faire exploser. Je dirais qu'ils ont dû tout faire sauter pour passer. Quelque chose me dit que cette dynamite peut m'être utile. Ouais, c'est vrai. C'est très très vrai. Par contre, ça a sauté, ouais. Faut que je fasse gaffe quand même. Allez, tire-nous. Wow. Oh. Il est énorme. Et j'y vais, moi. Ouais, tiens, allons-y. C'est une bonne idée, ça. Il va me flinguer, lui. Ah, voilà, il y a une sorte de regard, j'en étais sûr. Qu'est-ce que tu fais? T'es énorme. Comment on va faire là? Il va jusqu'où là? Ah, oh, c'est génial. Non. Oui, c'est ça. Mange des petites saloperies là. Sois cool avec moi.
Gazon pas peur, elle joue. Tu m'embêtes. Alors tu vas jusqu'à là, tu reviens là. Baisse-toi, baisse-toi. Il va où, il va où? Ah, il est énorme. Ah bah. Je vais descendre, moi. C'était Max. Et là, je vais me planter. Il faut que j'aille au bon endroit. Il faut qu'il avance bien. C'est dommage que sa jouabilité soit comme ça, par contre. C'est étonnant. Ils ont pas joué à leur jeu. C'est bizarre. C'est pas le premier, hein, je vous dirais, auquel ils jouent pas. Wow, wow, wow. Bien. Ouais, gland de mob, de mob, pardon. Lâche-moi, lâche-moi. Ah. C'est bien. Tire-nous. C'est foutu. Non, ça passe. Regarde, regarde, regarde. Ah merde, 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 merde. Ah. Ah, t'es énorme. Faut aller jusqu'à là-bas. Ça va être dur là avec la jouabilité merde. Ah, j'aime. Ah, c'est pas vrai, je reviens là. Ouf. Les jouabilités quand tu nous tiens. Putain, c'est pas possible, regardez le sauter. Putain, excusez-moi, mais là, il fait n'importe quoi. Super. Bah, je sais pas, hein, pourquoi il passe sur le côté, J'ai pourtant tout droit. Mais on recommence, on va essayer. Bah non, mais il part sur le côté. Oh, putain, pardon. Pardon, pardon, mais là, il y a rien de plus énervant que ça, par contre, c'est insupportable. C'est votre jeu qui marche pas, là. On va pas accuser le jeu, mais là... Arrête de tourner par là, je suis obligé de tourner. Putain. Je suis obligé de tourner. Ah, c'est pas vrai. vous jouez aux Souls, il n'y a pas de problème de jouabilité, vous jouez à ça. Petit con, ça vous aide pas.
Oh, je râle, hein. Je suis fatigué. Bah ouais, quand il me fait ça, là, par contre, ça me fatigue. Je suis vraiment désolé. Je vais me taire parce que... Vous avez bossé votre jeu, sérieux? Vous êtes venu ici, là? Vous avez regardé un peu? Vous avez vu qu'il faut que je regarde le visage du mec pour savoir si oui ou non il va tourner à gauche ou à droite alors que je mets la manette dans le bon sens en fait. Et voilà, il bloque là, mais putain! Non, sérieusement! Je suis désolé, je suis malade, j'aurais peut-être pas dû jouer, mais... Parce que j'ai pas pour principe de m'énerver comme ça, mais... Enfin, regardez, allez, c'est la fête du slip, c'est n'importe quoi. Je vais arrêter le jeu parce qu'il a une jouabilité pourrie. C'est terrible. Pourquoi personne n'a jamais rien dit là-dessus aussi? Pareil, les testeurs. Vous êtes venus là, les testeurs? Vous avez essayé un peu le jeu? Super. Ou alors à l'époque, ils faisaient pas ça? À l'époque, ça marchait bien, et là maintenant ça marche pas. Allez, monte! Là c'est pareil, hein, je dis rien, mais la glace commence à lâcher avant même que je la touche. C'est à peu près comment? Et alors ce genre de truc avec une jouabilité aussi pourrie, ça va être chouette. Je comprends pas en fait. C'est si simple. C'est si simple. C'est pas... C'est un moment qui peut être super fun, agréable. Gâché par une maniabilité atroce en fait. Vous allez à gauche, vous allez pas à gauche. Je comprends pas. Je suis vraiment désolé d'avoir râlé, excusez-moi, mais ça m'en fout en fait. On se barre, il n'y a plus rien. Je vais tomber dans le trou. Ça, c'est tout à fait le genre de choses qui m'en fout parce que le jeu est. Bon, alors je suis en easy, hein, je veux pas me prendre le chou. D'ailleurs, j'ai bien fait parce que. Si en plus je m'étais pris le chou avec les monstres. Là on passe à côté de tout en fait. SOS, SOS, SOS. Ici le capitaine Simon Edwards. Je suis blessé. Mais je me dirige vers la côte. Capitaine, ici Victor Howard. Victor, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu secourir votre équipe, mais nous nous sommes écrasés et j'ai perdu le contact avec l'autre avion. Il ne reste plus que moi. Survécu. Ava est avec vous? Ah, oui, c'est compliqué. Je vous expliquerai plus. Où est le reste de votre équipe? Il n'y a plus que moi, capitaine. Qu'est-il arrivé à Ava? Où est-elle? Edwards est toujours en vie, mais il est blessé. Si seulement Ava et moi avions pu ignorer ce que nous avons vu dans son bureau. Mais la mysticité de son origine a fait naître chez nous une fascination infectieuse. Ava est partie en solo au Cap Horn, au Sri Lanka. Ses découvertes étaient de plus en plus impressionnantes. Mais Edwards refusait de le reconnaître. À l'entendre, les trouvailles d'Ava étaient... sans intérêt. Et maintenant, il esquive mes questions. Se pourrait-il qu'elle soit? Non, elle est vivante, je le sais. Dans toute cette démence, c'est la seule vérité à laquelle je peux me raccrocher. Elle est là, quelque part, à m'attendre. Tout ça laisse présager une fin tragique. Bon, bah excusez-moi encore d'avoir parlé. Elle savait que c'était ici le lieu d'origine de l'espèce.
ça me ressemble pas. Edwards mais... devait le savoir aussi. Mais il a refusé d'y croire. décembre 1932, la cité. Elle m'a permis de faire d'autres découvertes et mes soupçons ont été confirmés. Les créatures que nous avons vues ressemblent aux spécimens trouvés par Edwards. Elles sont féroces, mais à mon avis elles ont un rôle à jouer. Je pense qu'elles sont ce que le texte appelle les bâtisseurs. Leur existence semble n'avoir qu'un seul et unique but, construire ce lieu. Et à leurs yeux, les visiteurs ne sont clairement pas les bienvenus. Pourquoi construire quelque chose d'aussi colossal? Cela n'a aucun sens. Ok, bon bah écoutez, on va s'arrêter, ce sera peut-être pas très long, mais c'est vrai que je préfère m'arrêter là plutôt que de rager à nouveau. Je vais donc vous laisser, vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dirai à bientôt dans cette immense caverne, qui est vraiment très très belle, hein. C'est dommage qu'ils aient gâché cette jouabilité, je ne comprends pas. Allez, à bientôt.